En Égypte, comme dans toute l'Afrique musulmane, on célèbre ce mercredi l'Aïd el-Adha. Ici, la prière au pied du minaret de la mosquée Mostafa Mahmoud, au Caire. La fête du sacrifice commémore la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl pour mettre sa foi à l'épreuve. C'est un beau moment, se réjouit cette femme. Je prie Dieu tous les jours de voir les gens dans la joie et le bonheur, comme c'est le cas maintenant. Et Younes, mon fils, vous le dit chaque année. Après la prière, de nombreuses familles ont profité des festivités, achetant des ballons pour leurs enfants. Les musulmans abattent traditionnellement le bétail, puis distribuent la viande aux pauvres, aux amis et aux parents pendant la fête.